fini l'arrêt longue durée, le plus dur est passé. Ça fait quand même plaisir de pouvoir travailler à nouveau. Je suis encore un peu fatigué, mais ça va passer. C'est normal après tout ce que j'ai traversé, ce cancer, le traitement et tout. On s'y remet tranquillement, retour à la vie normale, c'est bien. Bon, où est-ce que j'en étais moi? Mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? J'aurais dû le noter. Mais j'aurais jamais eu besoin de noter un truc comme ça avant. Oh là là, non, c'est pas possible, je suis fatigué. J'ai la mémoire qui flanche ou quoi? Allez, ça va s'arranger. Si ça s'arrange pas? Si c'est des séquelles qui partent pas? On va finir par me juger. Je vais passer pour quoi au final? Un malade? Un patient? Ma carrière va s'obscurcir. Oh là là, mais on n'y voit plus rien ici. Ah, c'est mieux. Monsieur, dites-moi, vous n'exagérez pas un petit peu, là? Qui, moi? Bah, évidemment, vous. Je sais pas, je pense pas, je suis très inquiet. Et ça se voit. Écoutez, déjà, la couleur de cette chemise fait beaucoup trop hôpital à mon goût. Et cette perche, voulons-nous vraiment passer pour un patient? Non, enfin, aidez-moi un petit peu, mon cher. Ah, j'adore ça, c'est bien mieux. Vous voyez, le problème, c'est que vous avez sans doute besoin d'un temps d'adaptation. Et saviez-vous que vous pourriez bénéficier d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? Aux suites d'un cancer et grâce à l'accompagnement qui est lié à la RQTH, vous pourriez sans doute opter pour une reprise à temps partiel. Et ça, ce serait bien pour un nouveau début de vie normale. Et pourquoi pas une nouvelle vie normale grâce à cette RQTH? Avec une formation? Pourquoi pas une reconversion? Un temps partiel, c'est bien ça, parce que j'aime bien mon travail, alors un nouveau début de vie normale, c'est parfait. Et pourquoi pas, alors attention, écoutez-moi ça, un nouveau début de nouvelle vie à nouveau normal.